autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un gras, gras comme un homme autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un gras, gras comme un homme autonome. Il est mort en faisant quelque chose qu'il aimait. Je suis niaiseux. Je tente pas de mourir en faisant quelque chose que j'aime. Moi, ça me tente de mourir en faisant quelque chose que j'aime pas. C'est quoi ce niaisage-là? Moi, non. Un lundi matin, tu te fais arrêter sur l'autoroute à 140, pas de ceinture, en parlant au cellulaire avec le permis pas renouvelé. C'est le temps de mourir, là. I asked my mama for a recipe. Alors, je vous présente le prochain spectacle de Création in Vivo et Stéphane Guertin, La neige, c'est quoi? En collaboration avec KPG, qui est un auteur, conteur, metteur en scène du Burkina Faso. Alors, on s'est posé la question, c'était quoi Noël pour un Canadien qui arrive au Burkina Faso et qui le vit dans un village, avec ses méthodes traditionnelles, avec sa religion présente, mais en même temps, surtout, avec sa culture, qui fait en sorte que les plats sont différents, que la musique est différente, que l'énergie est différente. Et évidemment, on va parler des différences culturelles entre le Burkina Faso et le Canada. Le but, c'est de s'amuser, d'en faire un spectacle très musical, un spectacle qui bouge, qui est drôle, mais en même temps un spectacle qui aborde certaines thématiques qu'un enfant aurait plaisir à découvrir, c'est-à-dire comment on peut vivre différemment, parce que quand on a toujours vécu à 40 degrés, la neige, c'est quoi? Ivan Tsarevitch, l'oiseau de feu et le loup gris. Cinéma.
c'est l'histoire de Lara. Lara, c'est une femme qui a l'impression de rien ressentir dans la vie, puis elle est convaincue que c'est seulement quand elle va mourir qu'elle va être capable de ressentir quelque chose. Mais avant d'arriver là, elle décide d'engager Xavier, un acteur, pour se cadrer dans toutes sortes de scénarios pour voir si enfin elle arriverait à sentir quelque chose. Puis, pour arriver à montrer ça, tous les endroits, tous les scénarios, on a utilisé la vidéo qui nous emmène dans toutes sortes de lieux, dans toutes sortes d'atmosphères. Alors, cinéma, c'est vraiment un univers à découvrir.